Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil, remonte le temps ». La fin du monde est proche. La terre ne connaît que violence et corruption. C'est pourquoi je vais l'anéantir avec tous ses habitants. Partout, ce n'est que perversité. L'homme s'est lui-même condamné à disparaître. De tous, seul Noé et sa famille faisaient preuve de vertu. Aussi, Dieu lui ordonna-t-il de construire une arche afin que lui et les siens puissent survivre. Tu m'entends? Oh, c'est juste des pivers. On dirait que quelqu'un construit quelque chose. Allons voir. Tu viens, Moki? Je commençais un rêve très agréable, un petit déjeuner géant avec des croissants, des tartines et... Mais peut-être qu'ils construisent une maison. La belle affaire. Mais dans une maison, il y a une cuisine. Et dans une cuisine, on fait des repas. Repas? Alors qu'est-ce qu'on attend? Waouh! Dis donc, c'est immense! Je n'ai jamais vu une maison pareille. Elle est ronde et construite à l'envers. Ce n'est pas une maison, c'est un bateau. Vous ne réalisez pas? C'est Noé qui construit son arche. C'est bien l'arche. Allons-y, il faut la voir de plus près. Pourquoi tout ce brouhaha? C'est quoi une arche? Oh. Allez, tout le monde, poussez! N'ayez pas peur! Moki est là! Tout va bien? Oh, je l'ai échappé, Belle. Ces jeunes gens ont empêché les planches de me tomber dessus. Un rocher a failli tout emporter! Il n'a pas pu tomber tout seul. Ma femme et moi, nous vous remercions. C'était la moindre des choses. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Nos voisins nous croient devenus fous parce qu'on construit cette arche. Il est vrai que vous êtes si peu nombreux? Oui, nous ne sommes que 8. Ma femme et moi, nos trois fils, Cham, Sem, Japhet et leur femme. Mais c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis Margot. Et voici Derek et Moki. C'est avec plaisir que nous vous aiderons. Vous êtes les bienvenus. Mais je vous préviens, la tâche sera rude. Je suis allergique au travail difficile. Nous avons peu de temps avant que la terre ne soit inondée par un déluge inouï. Déluge? Allez, au boulot et le plus tôt sera le mieux. Voilà. Qui ça? Nos bons voisins qui font leur plaisanterie habituelle.
Un jour, ils iront trop loin. Eh bien, dis donc, à ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? Si grand, c'est peut-être qu'une grange. Très juste, une grange pour Noé, le plus grand des ânes du monde. Occupez-vous de vos affaires et laissez-nous tranquilles. Le voilà, que tout le monde se prosterne devant lui, le roi de la scie. S'il vous plaît, monseigneur, nous ne sommes que de pauvres agriculteurs ignorants. Expliquez-nous encore comment vous allez mettre à flot cette grange sur la rosée. Dieu m'a averti, des pluies diluviennes vont s'abattre. Mais si elles viennent, Noé, tu n'auras pas besoin d'un bateau, ta tête est assez creuse pour te faire flotter. Ils n'ont pas le droit de te parler comme ça. Japhet, ils s'en vont. Mais ils reviendront encore pour se moquer de nous. Ne te fâche pas, mon fils. Tu devrais plutôt prier pour eux. Tous sont condamnés à être engloutis par les flots. Ils périront tous engloutis par les flots? Oh, non! Oh, je ne pensais pas que ce serait si imposant, pas vous? Grand comme un paquebot. Il y a juste un petit détail qui cloche. Où est la mer? Mais tu as entendu Noé. Les pluies viendront. Il va falloir beaucoup de pluie pour que l'eau monte jusqu'à la montagne. Il y en aura beaucoup. Plus de pluie et d'eau que la Terre n'en a jamais connu. Mais supposons le contraire. Alors nous aurons droit aux comiques de service. Oui, les aimables railleurs du quartier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu nous provoquer comme les autres. Eh non, je suis ton ami, souviens-toi. Je vous admire d'avoir fait tout ça pour votre père, je vous félicite. Dites, laissez-moi vous aider. Que cherches-tu, Septa? Moi? Je ne cherche rien du tout. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même et pour vos femmes? Eh bien... Vous étiez si occupé à aider Noé que vous avez négligé vos propres intérêts. Vous n'avez ni terre, ni bétail, aucun moyen de nourrir vos familles. Ça ne me semble pas juste pour des jeunes gens comme vous. Mais c'est l'arche qui est importante. Oui, oui. Mais à supposer, juste à supposer que la pluie ne vienne pas. Vous et vos femmes, vous n'aurez rien. Nous ne faisons qu'obéir à notre père. Écoutez, j'ai une idée. Ceci est du bon bois. Je pourrais m'arranger pour l'échanger contre de la terre et du bétail. Échanger le bois? Réfléchissez, faites-moi connaître votre réponse demain. Vos femmes méritent mieux que ce que vous leur offrez. La réponse est non. Vous faites une grave erreur. Vous êtes têtu. J'espère que vous et votre fou de père sombrerez corps et bien avec ce bateau ridicule fou que vous êtes. Voici la dernière planche, père. À toi l'honneur. Cette grande arche, commandée par Dieu, construite par des hommes et des femmes, est maintenant achevée. Nous devons accomplir une dernière tâche. Il faut rassembler et mettre à bord un couple de chaque créature vivant sur Terre.